Le système de douche Schluter consiste en une gamme de produits intégrés qui forment un assemblage collé entièrement étanche pour les douches carrelées. La première composante du système de douche Schluter est la membrane d'étanchéité Schluter Curdy. Il s'agit d'une membrane souple, malléable, résistante à l'eau et à la vapeur, spécialement conçue pour l'application directe de carreaux. Les composantes du système de douche se posent toutes à l'aide de ciment colle. Pour assurer l'étanchéité du système de douche, tous les raccords et ouvertures de la membrane Curdy doivent avoir un chevauchement de 2 pouces. À cette fin, on superpose les feuilles de membrane Curdy adjacentes, ou on emploie les bandes d'étanchéité Schluter Curdy Band. Les manchons Schluter Curdy Seal MV et Curdy Seal PS protègent les panneaux sensibles à l'humidité, là où passe la valve de mélange et la pomme de douche. Les bases de douche en pente préfabriquées Curdy Shower T, TS et TT sont faites de polystyrène expansé léger et recouvertes de membranes d'étanchéité Curdy. Le seuil de douche Curdy Board SC, fait de panneaux Curdy Board, est stable et apte à supporter des charges dans un assemblage de douche. L'étanchéité est assurée aux angles de la base de douche au moyen des coins intérieurs et extérieurs Schluter Curdy Carac. On peut réaliser un chevauchement de 2 pouces au coin Curdy Carac sans que les bandes Curdy Band se prolongent jusqu'au fond. Ainsi, on limite l'épaisseur de la membrane dans ces zones et on facilite la pose de carreaux de petite taille. La membrane de désolidarisation et d'étanchéité Schluter Ditra, posée au plancher, est raccordée au système de douche au moyen de bandes Curdy Band. Schluter Curdy Drain est un système de drain de plancher avec une large bride de collage intégrée, qui assure une adhésion étanche à la membrane Curdy sur le dessus de l'assemblage. Attendez 24 heures après l'installation de la membrane avant d'effectuer le test d'étanchéité. Cela vous permet de laisser sécher complètement le mortier et de vous assurer que l'étanchéité des joints et raccords est optimale. Il est recommandé de réaliser un test d'étanchéité pour vérifier l'efficacité de l'installation avant de poser les carreaux. On laisse habituellement l'eau dans la base pendant 24 heures. Les profilés Schluter peuvent servir à remplacer des joints de scellant et comme finition de rebord de carreaux dans les douches. Ils agrémentent avec éclat ou subtilité tout air carrelé, tout en assurant la protection de vos installations. Les carreaux se posent immédiatement sur les composantes du système de douche. La grille du drain s'installe en même temps que les carreaux. Les carreaux avoisinants sont collés. On complète l'installation en appliquant le coulis. Le système de douche Schluter évite les bris potentiels attribuables aux infiltrations d'eau et d'humidité, en plus d'accélérer grandement l'installation. Des drains aux substrats préfabriqués, en passant par les produits d'imperméabilisation, Schluter Systems offre tout ce qu'il vous faut pour réaliser une installation fiable et étanche.